بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين، وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuons le chapitre Wafa de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 389. Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté: Haddathana Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala, Haddathana Abu Muawiyah an Abdirrahman ibn Abi Bakr wa huwa ibn al-Mulayki an ibn Abi Mulayka an Aisha qalat Ummul Mu'minin Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha rapporté: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه. Alors quand رسول صلى الله عليه وسلم donc fin faire wafat sur eux fin sortir ban sahaba fin diverger le côté sa pour enterrer. C'est même qu'il m'appelle dafan. Dafan veut dire mettre dans la terre. Alors فقال أبو بكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه dit donc avant qu'il nous mette ce qu'il dit nous mette un coup dans ma divergence qui est là, ma différence, l'idée qui tient là, qui ma proposition tient là. Alors, il y a certains qui me disent qui dans place que l'y était là, en théâtre là. Il y a certains qui me disent non, mettez-le dans Jannatul Baqi'a, ensemble avec tous les Sahaba, radiyallahu anhum, parce que Jannatul Baqi'a, donc tous les Sahaba dans Madina qui se fait faire, tu peux enterrer dans Baqi'a. Et nous connaissons, il y a énormément de vertus pour Jannatul Baqi'a, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Une cause beaucoup du bien pour Al-Baqir, pour Bandimoun qui est enterré dans Al-Baqir. Donc, il y a un charaf, il y a une grande affaire, il y a une grande quelque chose pour qui Bandimoun est enterré là-bas. Et nous vous trouvez, il y a beaucoup parmi nous, les machaïkh, les ulama. C'est une fin façon qui est une âme dans Madina. Et Allah fait, bon, ça je ne suis pas vous capable de faire ça, mais Allah fait donne ça, fait gratifier ça, qui se trouve, fait sortir dans Madina. Et là, c'est une âme enterré dans Al-Baqir. Ça, c'était un objectif pour eux. Et là, certains vous trouvez qui étaient tellement, tellement contents pour enterrer là-bas. Les films Al-Fawafat dans un autre endroit. Circonstance. Finalement, vous trouvez qui hélicoptère finalement sur l'écho, finalement, elle est dans le baquet. Pourtant, Bandimoun, à ce stade-là, Bandimoun qui est dans l'autre où ça nous a fait l'arrivée, nous connaît qui dit ça, qui est le Akida, nous connaît qui est le pensée. Mais, Allah fait faire qu'il s'est rendu la même finalement. Il fait l'enterrer dans Al-Baqir. Maintenant, le Sahaba, radiyallahu anhu, comme un Rasul, comme un Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, les peut faire loi qui, oh Allah, fais-moi gagner shahadat de te simer, shahadatan fi sabilik, wa wafa'atan fi baladi rasulik. Fais-moi gagner shahadat, ça veut dire mon vin shahid de te simer, mon gagner mon wafa'at dans la ville de ton Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire la Madina. Et c'est exactement ce qui finit arrivé. Quand les types faire imam dans Masjid Nabawi, donc là, ça, Jimon là, où l'eau fin vini fin attaque, les fin shahid et les fin enterré, donc dans Al-Baqir. Alors, donc, certains, les sahabas disent, ben nous enterrés dans Al-Baqir, une bonne place. Vous trouvez, ben, une très bonne idée. Ou fi Asham, ou soit, il y a certains qui nous amènent dans Asham. Quand ça, inda abihi Ibrahim, quand son papa, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Alors, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il peut vivre à l'époque-là dans Asham. Il bouge beaucoup. Il prend naissance dans ce qu'on appelle la Mésopotamie, un endroit qui s'appelle Ur. Ce qui a été là était l'Irak. Après, il finit voyager, donc il passe la plupart sur le temps dans Asham. Bilal Asham, qui était ça, c'est dans les nord de Madina. Ça même qui a été là, on appelle Middle East. Là-dedans même, il y en a Palestine, il y en a la Syrie, il y en a Liban, il y en a la Jordanie, un pays avoisinant. Donc, sa place qui est autour, Baytul Maqdis, Masjid al-Aqsa. Alors, l'espérisse là-bas. C'est dans Ibrahim, alayhi salam, il est là. Nous connaissons les films voyager, les films vin Makkah, nous écoutons ces histoires. Les films prend sur Madame Hajar avec son petit bébé Ismaïl, alayhi salam. Finalement, nous sommes dans Makkah, nous connaissons l'histoire Zamzam, là, ben, arabe, fin, commence, s'attelle dans Makkah. Là, il retourne dans Sham. Là, de temps en temps, il peut venir, et dans les voyages, nous, chaque mois, il vient visiter sa famille, Hajar, avec son garçon Ismaïl, alayhi salam.
la lamtina construction Kaaba. Mais sur place qui était restée, c'était Al-Sham, Bilal al-Sham. Là, il finit faire wafat là-bas, alayhi salam. Là, il finit enterré là-bas, dans une place qui appelle, c'est l'endroit-là, aujourd'hui, appelle Al-Khalil. Qui fait appel à Al-Khalil? Parce que Khalilullah, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, c'est enterré là-bas. En français, je t'appelle ça Hébron, H-E-B-E-R-O-N. Donc, ben, sahaba, il y a certains qui ont l'idée de nous retourner l'icône sur Dada, sur grand-parent, Ibrahim, alayhi salam, enterré là-bas. Précote Baytul Maqdis. Alors tout ce man, l'idée là tienne. Là, nous continuons donc. Faqala Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, l'idée dit Sami'tu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Shay'an ma nasitu. L'idée mou fin tan en quelque chose depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui mou pas fin lié. L'in rappelle ça quelque chose là. Parce que ça quelque chose là, c'est ce moment spécifique là qu'il est besoin d'y aller. Pendant tout le temps qu'il est là, il n'est pas fin de vivre. À nous dire relevant. Mais c'est ce moment là qu'il est fin. Alors, nous vous trouvez qu'il y en a beaucoup. Sayyidina Abu Bakr, radiallahu anhu, lui démontrer beaucoup même quelque chose qui, quand nous guettons, nous trouvons ben, lui-même qui khilaf, khalifa là. Khilafa là, tu viens avec lui-même ça. Donc, comme on nous dit, c'est la suite logique, lui montrer. Donc, Sayyidina Abu Bakr, radiallahu anhu, il y a beaucoup ben quelque chose ben ulama énumère ça un par un pour montrer qui lui-même qui supposé ça veut dire khayrul bashar ba'd al anbiya d'ailleurs meilleur du monde pour après ben prophète alayhi salam. Alors nous dans ahlus sunna nous mettons comme ça que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu les mêmes supérieurs nous prenons le prophète nous mettons d'un côté ça peine en comparaison après ben le prophète tout ben du monde qui finit exister. Donc, Sayyidina Abu Bakr, As-Siddiq, radiyallahu anhu, meilleur du monde. Après lui, vient Sayyidina Omar, radiyallahu anhu. Après lui, vient Sayyidina Othman, radiyallahu anhu. Après ça, Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. Il y a une petite différence, divergence. Certains disent Ali, certains disent Othman. Mais il vient dans sa loge, qu'il vient venir dans Khilafa de Ban Khulafa Rashidun. Donc, Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, dit à Moufin, il y a une parole qui. Depuis Rasulullah sallam qui m'ont pas oublié. قال لديه الفنجيه ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. لديه qui Allah subhanahu wa ta'ala li pas prend ruh un nabi excepté dans place qu'il est content qui li fait dafan là-bas. يحب الذي يحب ان يدفن فيه. يحب ça veut dire Allah content. Place côté Allah content qui s'en habille là pour enterrer, alors les tiers, les faits tiers, Nabila seront là-bas même. Donc, principe, côté un Nabi fait wafat, là-bas même l'enterre. Alors, nous vous trouvez qui, beaucoup ban Ambiya, alayhi salam, je place côté je t'y enterré stratégique, et il y en a certains ban Ambiya. Nous connaissons nos Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, l'invini pour l'univers, pour l'humanité en entier. Pas juste l'humanité, pour l'univers, pour ban djinn, pour ban les autres. Et l'ipa time bound, ça veut dire jusqu'à l'éternité, jusqu'à Kayamat, sur Risalat, est toujours là, est toujours d'actualité. À ce là par les du jour, est toujours Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Isallah Rasul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par contre, on n'est pas capable de dire, par exemple, que Moussa Rasulullah, non, Moussa sur l'époque infinie, alayhi salam. Et Isa sur l'époque infinie, alayhi salam. Alors, chaque prophète, est infini, pour un endroit, il y a l'area bound, il y a le time bound, pour un certain temps. Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il vient plusieurs tout. Alors, quand le prophète là, il vient, je t'ai une mission spécifique, pour un moment spécifique. Il y a certains, le prophète, qui quand je t'ai fait wafat, là, cette mission finit. Je t'ai fait ce qu'il appelle attablir. Je t'ai complète cette mission. Et là, avant même qu'ils se trouvent sortis, je t'ai fini complète cette mission. Plan là, comme ça. Prophète là, il connaît, lui, qui voilà, moi, je viens de faire tel travail, je finis, passe à Allah ce message, je finis complètement établi. Donc là, les récents cours vous vivent. Alors, beaucoup là-dedans, qu'ils étaient faire, ils étaient voyager, ils étaient dans le côté de Kaaba. Ils étaient dans le termine, ils étaient dans le bas. Et ce qui fait que beaucoup, ben, prophète, alayhi wa sallam, ils étaient Kaaba, ils trouvent le côté de Kaaba. Ben, Ambiya, ils étaient Kaaba, autour de Kaaba. Donc, quand on peut faire tawaf, nous pensons que, là, dans sa place là, tu connais quoi de ça? Il y en a beaucoup, Abban Ambiya qui finit enterré là.
Alors, en principe, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donc, qui fait l'inal là-bas. Nous rappelle, hein, l'Ijbé demandait, qui s'en a ce jour-là? Qui s'en a ce jour-là? Demain, qui s'en a ce jour? Qui savait dire ça? Mais j'ai demandé que ce soit madame, chaque madame gagne un jour, il y a un jour que chaque madame. Alors, l'Ijbé demandait, ben, madame, il finit comprend qu'il est en vie à l'côte, à Aïcha radiallahu anha, ça même qui a ce qu'elle appelle, Rawda. Là-bas même, qui se roule, il sortit donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li tient en vie, qui, et Allah tient en vie, qui l'y enterre là-bas. Ça même sa place là, ça même sa la samla, qui a aujourd'hui là où il trouve un dôme vert. En bas donc, il barricade, personne ne peut pas accéder là-bas. Ça c'est Rawda al-Sharifa, al-Qabr al-Munawwar de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous trouvez après, quand Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu fin fait wafat, il fin enterré à côté. C'est une place encore. Alors, Sayyidatuna Aisha radiallahu anha. Sur la Samsa. Quand Rasoul al-Sam fin fait wafat, il est encore là. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu fin fait wafat, il est encore là. Ça veut dire, qui s'en a ça? C'est Aisha radiallahu anha, son papa ça. Donc, il est enterré là. Et la place là, donc Aisha radiallahu anha tient à souhait qui quand lit les mots, enterré là-dedans. Ensemble avec un soumiché avec l'autre, son papa. Léla, Sayyidina Omar radiallahu anhu. Il est venu, il fait demande. Il y avait un djimoun demandé à Aisha radiallahu anha, sa place là, est-ce qu'ils sont capables de gagner ça? Ou moi, mon kabar. Léla, Aisha radiallahu anha, pas de refuser. L'icône, ça l'autre là, l'icône, l'autre supériorité. Donc, il n'est pas fini de refuser. Il finit de le Et là, beaucoup de riwayat. Et là, plusieurs de riwayat montrent-nous qu'il y a une place encore qui restait. Sa place-là, il pourrait venir à qui c'est là? Il pourrait venir à Sayyidina Isa alayhi salam. Il y a un hadith qui montre-nous que Sayyidina Isa alayhi salam, il pourrait tourner. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Yanzilu Isa ibn Maryam, fa yaqtulu al-khinzir wa yamhu al-salib. » Isa alayhi salam pour descendre, il pour éliminer al-khinzir, le porc, il pour éliminer. Et pour détruire al-salib, c'est-à-dire la croix. Parce que ça, la croix-là, c'est un qui représente un mensonge. La croix-là qui fait aller comme ça, parce qu'ils étaient une croyance que Jésus, Isa alayhi salam, il crucifié là. Alors qu'il nous connaît, Allah dit clairement dans le Coran, « Wama qataluhu, wama salabuhu ». Je n'ai pas fini tout il dit, je n'ai pas fini crucifier ça. Dis-moi la croix-là, pas Isa alayhi salam. Alors, Isa alayhi salam, lui-même, il peut venir pour détruire la croix. Il peut faire plusieurs affaires qui sont mentionnées dans le hadith-là. Nous connaissons dans les autres riwayats mentionnées, il peut venir éliminer, il peut venir tuer Dajjal. Après ça, Wayanzilu al-Rawha, il peut aller dans Makkah. Rawha, c'est Makkah. Il peut aller établir dans Makkah, Fayahudju, Minha, Aouya'tamir. Il peut faire Hajj, il peut faire Umrah. Léla, l'époil, Madina Sharif, l'époil, rendre visite à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Léla, là-bas, se roule pour sortir. Donc, Léla, l'île pour enterrer dans sa place-là. Comment le trouver? Et là, les autres riwayats encore. Par exemple, il y a une riwayat, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Yanzil wa Isa ibn Maryam ila al-ard. Alors, Isa alayhi wa sallam, donc, il pourrait descendre dans la terre. Donc, pour rappel nous-mêmes, ce qui s'est dit, c'est que nous avons dit 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 que nous avons donc Isa alayhi salam, il est vivant, pareil comme nous, en chair et en os, il parle de la mort, il pourrait descendre. Kullu nafsin dha'iqatul maut, chaque nafs pour goûter la mort, donc lui aussi, pendant un moment, quand il peut goûter la mort. Donc il peut descendre, même là où il était, là, il peut continuer à vivre sur la terre, il y a une mission pour l'y accomplir. Il peut mourir, il peut avoir des enfants, et là, il peut faire enfant. Donc il peut descendre, sur la terre, faire des zawaj, il peut faire nikar, il peut mourir. Wa yuladu lahu, il peut avoir des enfants. Wa yamkuthu khamsan wa arba'ina sana. Et il peut vivre 45 ans. Et là, ça arrive à l'état de 45 ans, et là, il y a pas les autres. Chiffres encore, hein, différents chiffres là, vous voyez. Thumma yamut. Après ça, les poumons, fa yudfanu ma'ayya fi qabri. Les poumons, enterrés ensemble avec moi dans mon qabar, comment? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa aku fa akumu ana wa Isa ibn Maryam fi qabrin wahid. Et moi avec Isa ibn Maryam, vous levez dans un qabar,
un seul kabar, ça veut dire là, il peut mettre littéralement qu'il dans le même kabar, alors que nous, Barou Lama, explique-nous qu'il y a une place à côté dans laquelle Isa alayhi salam pour enterrer. Donc, Baina Abu Bakr et Omar, entre Abu Bakr avec Omar. Trouvez le Rasoul Sassalam, donc il finit par dire ça, qui c'est là qui peut enterrer, écoute ça. Et là, donc, Sayyidina Isa alayhi salam, il peut enterrer là-bas. Donc, on trouve un petit peu en bref, considération tienne quand tu peux faire dafan de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on trouve que sa place peut être enterrée là, là-bas même, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es content qu'il y ait enterré. Et donc, sa même place, puis, d'après beaucoup, nous, ulama, le sunnah, sa même place, puis sacrée, la terre, puis supérieure, la terre. Parce que, c'est sa place qui fait un contact avec l'écho mubarak de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là, ben, effort dans le passé pour ben, les kitab, ben, juif, tout ça là, pour, comment dire, profane l'écho de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je n'ai pas gagné accès depuis là-haut. Ce que je ne fais, je ne fouille en bas. Je ne fouille ben, sinel, juste pour gagner accès vers ça. Donc, c'est à l'époque là, c'est un calife qui tient là. Il finit trouver dans le Rasoul Allah sallam, il finit voir en anglais. Alors, il finit gagner sa dédimoun là. Ça arrive là tellement c'est explicite qu'il y a une récit identifier sa dédimoun là. Et donc, une récit bloc jeu, une récit marie jeu. Là, ça projet là, finit tomber, pas finit réussir. Là, depuis ça, il finit faire mettre une barrage en diplôme. Là-haut la terre, en bas la terre aussi. Donc, valait 10 jours. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son kabr mubarak, li barricadé partout, quatre côtés. Ou ça, on peut dire six côtés, donc li barricadé partout. Personne n'a pas gagné accès. Personne n'a pas connu qui est dedans. Et la fois où on trouve une photo circulée, une jolie, jolie balise, tout ça là, pas li ça. Un autre kabr quelque part. On connaît ce qu'on avec social media là. Longtemps, tu as une photo qui peut circuler. Du monde pas connu, du monde pas. Alors, personne n'a pas gagné accès en dedans. Et là, là-haut, finalement, ça. Donc, nous faisons voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous agir de telle façon à ce qu'il nous donne le respect et valeur, nous donne le grandeur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier de sa présence, fait nous faire ziyarat, qabar mubarak de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pareil comme à Sayyidina Omar radiallahu anhu, fait voir qu'Allah nous demande. Shahada de Toshime et nous demande l'amour, nous roue sorti dans la ville de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous gagne possibilité et nous gagne dafan dans Jannatul Baqi'a. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahum ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim taslima. Amin.